Aujourd'hui, nous sommes très déçus, totalement déçus, par le statement du gouvernement en cours, un statement vague, flou, un statement qui clairement fait les faux times, vague déclaration d'intention, qui ne veut pas dire non, rien, pas connaît quand, un jour, soi-disant, pour soumettre un bill. Mais il est décevant quoi d'être provocant. Il bouffonne pas allemand, il bouffonne le pays en général. Nous t'y souhaitons qu'il y ait un bill présenté au Parlement. Il n'y a même pas dire qu'il y a un bill là pour venir devant le Parlement. Il n'y a même pas dire, ce n'est pas pour prendre vote s'il vient devant le Parlement. Mais il semblait confirmer que le gouvernement a l'intention d'aller à la prochaine élection avec le système actuel. Car violation de ruling Nations Unies, il y a un consensus entre nous, il n'est pas idéal, mais nous pouvons voter under protest, façon de parler. Par ailleurs, ce qui est difficile de comprendre, c'est une attitude plus que complaisante de la part Van Dimon qui rend sa caisse, hein, résistance et alternative. D'abord, le contenu, je te faisais protester, qui peut donc être délai. Je te fais demander à l'Italien tout ça là avant. Là, on va jeter un apobanane longue la piste d'atterrissage de l'agence. Je vais donner à dire, je vais dire, un mois pour considérer qu'à un mois, je vais vous guetter. Je ne sais pas si vous demandez. Moi, je ne connais qui faire. Moi, je ne vais pas rencontrer David Rangoulam ces derniers temps. Comme on me dit, je ne vais pas vous rencontrer. Il tant qu'il y a une projet de loi, la réforme électorale, pas une vie devant le Parlement. Mais la discussion continue, la Deuxième République, par personne interposée. Mais il paraît qu'il nous tombe d'accord autour de la Deuxième République, sauf qui manière pour élire le président. Pour essayer d'aller de l'avant, nous t'y proposons, comme en Inde, un collège électoral élargi. Alors, dans l'Inde, c'est le Parlement, le Lok Sabha, le Sénat et toute bonne assemblée législative régionale qui votait. Mais ici, ce équivalent, nous t'y suggérons, ben, en élargir le collège électoral au lieu du Parlement seulement, mais le Parlement puisse pas être conseiller district, puisse pas être conseiller municipal. Navin Rangoulam, pour on mentionnait qu'il y a une nouvelle idée, il fait surface, mais peut-être tout à faire ce qui existait à la Mauritienne, ce qui existait en Zambie, au Malawi. Quand il y a un député, il y a en même temps un président ou un président et son vice-président à un tour. C'est une idée qu'il fait surface et qui déballa, qui vous lance. Mais apparemment, Michel Moulin vient en colère, qui s'est sorti dans la presse. Mais nous, nous fonctionnons comme ça, non, même nous. Ça voulait une nouvelle idée faire si à face. Ah, mais supposé, on discute ça en top secret au livre de la masse. Mais on discute ça, mais qui ça, ça? Ce qui est arrivé ce matin en cours, dans le cadre de la réforme électorale, lui montrer qu'il est bien difficile de continuer à prendre Navin Rangoulam au sérieux ou quoi que ce soit. Réforme électorale qui est devant la cour ce matin, mais Deuxième République qui m'avait mentionné actuellement. Il fait le Parlement en tant que congé, perdu des temps, mais il n'a pas mérité de prendre au sérieux. Ce qui tout cela montre, nous, c'est qu'il Rangoulam vraiment pas sérieux. Ni la réforme électorale, ni le quoi que ce soit. Puisque, à la rentrée parlementaire, le bill papou devant le Parlement, on répète ce qu'ils m'ont dit samedi dernier, nous faisons un rôle d'opposition parlementaire carré, plein. Pour Rangoulam, faire nous reprendre un petit peu sérieux. Il n'a pas essayé. Il n'a pas essayé. On va prendre le temps de considérer qui est mindier, qui n'est pas mindier.